ça me fait très plaisir de partager avec les professionnels de l'esthétique une remarque sur notre profession, puisque nous sommes amenés à répondre à la demande de nos clientes qui viennent nous voir pour une problématique silhouette et visage, aussi bien minceur qu'anti-âge. Et en réalité, on sait aujourd'hui que différentes technologies peuvent répondre à l'amincissement, le traitement de la cellulite et apporter des résultats pour l'anti-âge. Seulement, on se rend compte que de plus en plus, on a besoin d'avoir des technologies qui respectent le tissu conjonctif, qui respectent la peau. Et ça, c'est parfois plus difficile à trouver. Donc, il faut vraiment être attentive à utiliser des technologies qui soient utilisables sur le corps, mais également sur le visage, qui nous apportent des résultats très performants en termes d'amélioration du tissu graisseux, d'amélioration du tissu cellulitique, des résultats essentiels pour l'anti-âge, tout en respectant la qualité des tissus traités. Ces tissus qui sont parfois relâchés ou avec des vergetures ne peuvent pas être traités n'importe comment. Donc soyons attentifs à ça. On peut se renseigner dans la profession pour savoir quelles technologies nous permettent d'aborder ces tissus sur la pointe des pieds en apportant des résultats sans jamais les agresser. Pas de bleu, pas de douleur. C'est un mot, quelque chose de très important et on doit respecter ça. Donc on a la chance d'avoir des clientes qui nous font confiance. Nous, professionnels de l'esthétique, on se doit d'étudier, d'aller chercher les informations. Les congrès sont des endroits exceptionnels pour ça, puisque c'est sur les congrès qu'on trouve toutes ces solutions. Voilà les conseils que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Merci à vous.